Eh bien salut tout le monde et bienvenue chez John pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Spider-Man Remastered édition PC bien sûr pour la suite de ce let's play. Allons-y, c'est parti. Oh bah, bien joué. Petit Spidey. Spider-Man. Je dois trouver d'autres tours à activer. Ah bah si t'as aucun réseau, change d'opérateur. Mais non, là c'est ici, faut que tu vas. Ah, j'ai toujours un peu de mal. Coucou Spidey, je pense souvent à toi en ce moment. On était bien tous les deux, non? Ça pourrait être sympa de raviver la flamme. Black Cat. Ne me dites pas qu'elle fait du repérage. Elle m'avait promis de changer de vie. Qu'est-ce qu'elle regardait? Ah ouais, qu'est-ce qu'elle regardait? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel? Black Cat, vous avez un petit quelque chose. Ah oh, putain. Je trouve quelque chose. Mais quoi? Là! C'est l'un de ces chats? Ils contiennent des amplificateurs qui enregistrent les signaux RFID aux alentours. Je vais dire à Yuri de passer le récupérer. Ouais, et c'est tout? Felicia est trop futée pour se mettre en danger comme ça. Terminer les planques de Black Cat en ligne pour découvrir le mystère de Black Cat. Appuyez sur A pour continuer. Ok. Il y a tellement de trucs à faire en vrai. Pouvoir de tenue nouveau. Eh, on va changer la tenue. C'est des nouvelles tenues apparemment. Ah, il est moche. Ah, c'est moche. Wow, non. Je vais regarder toutes les nouvelles tenues, on va décocher tout ça. Ça m'évitera de... Voilà, quand il y aura des nouvelles tenues, hop. Voilà, c'est bon. Non, mais sinon on laisse toujours ma tenue normale, hein. Pouvoir de tenue. Ok. Mode de tenue. Je comprends pas en fait. Je sais pas c'est quoi tout ça. Ouais. Décharge foudroyante. Ah putain, ouais, ok. Ouais, c'est impossible, ouais. Ouais, ok, ça marche, ouais. Mais là, j'ai fait toutes les tenues, mais pourquoi il me demande... Ouais, vous vous rappelez, celle-là? Waouh! Ah oui, il y en a encore là. Voilà, bon, je ne parle pas beaucoup, c'est normal parce que. Voilà, il est moche. Alors, les gadgets. Nouveau. Achat impossible, mais putain, mais on peut acheter aucune. L'émission, quoi. Voilà, ok, bon. Dites, Yuri! Le costume et l'équipement de Black Cat sont toujours dans votre salle décellée? Je crois, oui. Pourquoi? Elle a rempilé? Peut-être. Vous pouvez vérifier que ses affaires sont toujours chez vous? Pas de problème. Eh, t'es obligé de gueuler comme ça, il y en a qui dorment, non? Non mais, oh! Eh là, tu gueules comme Salut, mais t'appelles tard? Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'on devait se retrouver pour dîner ce soir. Oh, c'est vrai. Ah oui, je les appelle, désolé. Ouais, j'arrive. Une sale journée. On a perdu le financement du labo. Oh, Peter, je suis désolé. Et en plus, j'ai aussi été expulsé de mon appartement. Quoi? Et tu as un endroit où dormir cette nuit? Bah,
À vrai dire, non. Pas vraiment. Ça m'embête un peu, mais t'aurais pas une chambre pour moi au refuge? Bien sûr. Tu peux utiliser le canapé de mon bureau. Allez, hop. Wow, bah, la prochaine mission, moi. Ah, ça va, ça va, ça va. C'est cool. Non, mais l'autre, en fait, il gueule comme je sais pas quoi. Non, mais... J'hallucine. Prochainement, je vais changer le micro-casque, en fait. Hein. Je vais acheter le micro-casque... que j'ai vu, là. Le Logitech Pro. Vous allez voir, il est carrément bien. Que celui-là, il va bien, mais... Quand je rage ou quoi... C'est dingue, j'ai pas dormi depuis l'arrestation de Fisk. Je devrais faire un peu plus attention à ma santé. Ouais, bah oui. C'est pour ça, va dormir, gros. Monte là-haut. Voilà, toi, tu montes là-haut. Moi, ouais, tu montes là-haut, tranquille, pépère. Toi, tu vas... Va te coucher. Ah, tu passes là, tranquille. J'espère que le canapé est confortable. Et j'espère aussi. Tu me manques. Ouais, après, qu'est-ce qu'on s'en bat? En fait, là, y'a rien à faire, en fait. C'est quoi ce jeu où y'a plus jamais d'action? Ouais, j'ai de la thune. Je peux pas accepter. Tu le peux et tu le dois. Je te rembourserai. Bientôt. Demande de l'aide la prochaine fois. Oh, tu ressembles tellement à Ben. Apprends à ravaler la fierté des Parker et accepte d'être un humain. Y a pas de honte. Martin. Pardon de vous interrompre. Je voulais simplement vous dire que je dois m'absenter. Je vous laisse les rênes en mon absence. Oui, vous pouvez compter sur moi. Vous partez pour combien de temps? Je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a un problème? Ce sont juste des affaires personnelles que je veux régler depuis longtemps. Mais prenez bien soin de cet endroit. Il représente vraiment ce qu'il y a de mieux en moi. Eh bien, il est temps de me mettre au travail. Allez. J'espère que Monsieur Lee va bien. Allô? Hé, hey, t'as vu mon article? Bien sûr. Robbie doit être sur un petit nuage. Ouais, c'est devenu viral. Et devine quoi? Osborne, le maire, vient d'annoncer qu'il allait remettre une médaille à l'agent Davis, cet après-midi. Wow. Eh, hey, mais le meeting de campagne d'Osborne, c'est pas cet après... Ah, ah oui, ça y est, je comprends, ouais. Ouais, c'est flagrant. Mais ça reste un moment sympa pour l'agent Davis et sa famille. Je couvre l'événement. Est-ce que tu veux venir? Ouais, avec plaisir. À tout à l'heure. Ok. Bon. Y a pas trop d'action dans ce... Dans l'épisode précédent, y avait de l'action. Franchement, c'était cool. Mais là... Ce jeu, il manque des trucs. À part Sinstro, tu vois, que j'ai fait. Édition 2022, Sinstro 2022. Oh, c'est trop ouais. Humiliant d'accepter l'argent de Pontenay. Je devrais aller en ville et essayer d'aider mon prochain. Nouvelle mission annexe débloquée. C'est bon, hein. Howard, ça faisait un bail. Comment va Pidgey?
Il n'est pas en forme. Ses cousins lui manquent. Ça a été un peu la folie pour nous deux. Mes proprios ont transformé l'immeuble en local commercial. Alors on a dû se reloger au centre Fist, le temps de se retourner. Désolé. C'est vrai que les proprios new-yorkais sont parfois sans pitié. Quand ils m'ont viré de chez moi, ils ont relâché tous mes oiseaux. Pidgey est le seul qui m'est retrouvé. J'ai cherché les autres partout où j'ai pu, mais avec ma jambe qui me fait mal. Vous savez quoi? Je bouge pas mal dans le coin. Vous voulez que je regarde si je les vois? Non mais, attraper des pigeons à travers la ville pour Howard. Mais sérieusement, c'est ça des missions. Mais c'est n'importe quoi. Non, faut arrêter les gars. Faut arrêter de... C'est n'importe quoi. Vous feriez ça? Oh, merci. Si vous en croisez un, vous pouvez m'appeler? Ouais, je t'appellerai quand j'aurai le temps. Il y avait une lumière verte là-haut. Le feu aux poudres, ah ben voilà. Salut Jeff! Félicitations pour la cérémonie! J'ai hâte que tout soit terminé. J'ai moins peur d'un camion rempli de démons que de devoir parler en public. Mais c'est pas pour ça que j'appelle. Quoi de neuf? Il paraît que des démons s'agitent du côté du chantier de Fisk dans le centre. Ma femme risque de me tuer si je loupe la cérémonie pour aller jouer aux gendarmes et aux voleurs. Alors je me disais que ça pourrait intéresser un certain justicier. Compris, j'y passerai. Ouais, j'y vais tout de suite. Et je vous dirai ce que je trouve. Oh, et une astuce pour les discours. Imaginez tout le monde en sous-vêtements. Enfin, sauf Osborne. Oh, en fait, laissez tomber. Compte Solidity Shipping. Ah, il va avoir de la bagarre. Jeff, j'y suis. Qu'est-ce que vous voyez? Trouvez les autres. Le chef veut pas de survivants. On dirait que les démons s'installent sur le territoire de Fisk. Vous pouvez gérer? Ouais, je m'en occupe. Coucou, Spanier. Les dodos. Eh, c'est facile là. Normalement, on tue personne, hein. C'est pas de rien, il tue personne. Hein. Et voilà. Vous avez ce que vous vouliez, c'est pas la peine de nous tuer. Ah, le territoire putain, de Fisk est à nous désormais. Pas encore. Yo Woody! Toi. Super la combi, ça t'amincit. Ne te mêle pas de mes affaires. Attends, les démons, qui est leur chef? Protège mes hommes et je te dirai peut-être. Waouh. En fait, quand je disais y a pas d'action, c'est. Je vais devoir sauver des méchants, d'autres méchants. Alors celle-là, je m'y attendais vraiment pas. Ah.
Vas-y, fonce! Allez, là, franchement, ça va. Ça va, ça va. Hop là, tac. Hop là. Hop là. Tac. Le tour de ta mort a sonné. Ouais, c'est ça. Là, tu crois. Comment je me bats. Wouhou. Tiens dans ta gueule, bâtard. Restez là, vous deux. Attendez la police. Oh putain, ça tire dans tous les sens, t'en veux. Il a pas vu venir celle-là. Pas non plus. Wow. Je devrais faire le tour de l'extérieur pour trouver les hommes de Fisk. J'ai toute leur attention. Je dois vite trouver les survivants. Un bâtard. Wow. Non, mais pas par là. C'est chaud. Attends, là on doit monter là. Monte là-haut gros. Monte là-haut. Voilà. Ici. Niveau supérieur. Là, si. Voilà, ça c'est fait. Allez, dégage de là. Voilà. Ça, c'est fait. Tu vois comment on fait. Oh, lui, il m'énerve, l'hélico. Ah, un boss. Hey, salut, mon grand. Ah, je l'ai niqué. Voilà, ça c'est bien, ça toi. Ça c'est un jeu, toi. Ça c'est un jeu d'action. Ça fait du bien. Toi, ça enfin, ça fait du bien. Alors on va monter là-haut. Pitié. Je balancerai pas. Hop là, ça c'est bien. Ça, toi, ça là, il y a de l'action.
Toi, putain. Moi, j'aime bien. Tout va bien? Ouais. Voilà, ouais, j'ai sauvé tout le monde. Merci. Ça va, ça va. Fisk, tes hommes vont bien. À ton tour. Qui dirige les démons? Peut-être qu'il est là, ou peut-être pas. Va voir sur le toit. Ces discussions obscures m'avaient manqué. Bonjour. Waouh, le fameux crash de l'hélico. Waouh. Ah putain, c'est le fameux crash. Est-ce que je vais y arriver? Oh, sérieux? Waouh. Tiens-le. Ah bah ça veut dire dégage. Waouh, une bonne dose d'action là, c'est trop bien. Oh putain. Aïe. Ah la casse. Je rêve? Non! Dans le sous hélico là, ok. On m'a signalé un hélicoptère avec une boule de démolition? Ouais, la situation avec les démons c'est compliqué. Bougez pas, Yori, m'en occupe. Que j'y arrive. Putain, casse tout, mec. On va y aller, hein. Ah, le casse tout le... Oh, des roquettes! L'hélicoptère est en train de détruire la ville. Je sais! Oh, sans blague! Putain, il y a un bug. Putain! Pourquoi ça bug comme ça? Allez! Ouah, c'est énervant quand ça bug comme ça. Attendez, je dois que ça revienne. Je sais vraiment pas pourquoi ça bug comme ça. Vous pourriez peut-être super agir plus vite. Je fais de mon mieux, Yuri. Je vous rappelle. Ouais, surtout quand. C'est parce que, putain, ça a bugué. C'est normal que j'ai pas... Putain, mais c'est énervant. Dites-moi que je rêve. Non. On m'a signalé... Un hélicoptère avec une boule de démolition? Ouais, la situation avec les démons, c'est compliqué. Bougez pas, Yori, je m'en occupe. Faites que j'y arrive. Ouais, là, faut que j'y arrive, là. L'hélicoptère est en train de détruire la ville. Je sais. Vous devez absolument l'arrêter. Je sais. Vous pourriez peut-être super agir plus vite. Je fais de mon mieux, Yuri. Je vous rappelle.
Faut quand même balance une roquette. Allez, c'est le moment. Voilà, non, non, en fait, voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, y'a rien. Wow, qu'est-ce qui va se passer? J'espère que je vais pas le regretter. Newark. Bon, maintenant, il faut que j'attends. Je vais devoir vous demander d'arrêter cet hélicoptère, monsieur. Il faut que j'arrête les moteurs de l'hélico. Putain, alors, là, là. Putain, sale bâtard! Un moteur de moi! Maintenant le deuxième! C'est bon, j'arrive ici. Voilà! Oh, c'est chaud! Hein. Un plan! Waouh, mais pas une fois! Merde, je me suis trompé de touche. C'était pas ça comme touche. Je me suis trompé. C'était LT, RT, moi je me suis trompé de bouton. Il m'en faut un et vite! Et quoi? Ils appuient sur les deux touches, mais. Attends. Ah bah, faut en faire très vite. Il m'en faut et vite. Okay, ce sera ça le plan. Aïe 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 aïe. Putain, y'a beaucoup de cas ça quand même. Tu peux le faire, tu peux le faire. Vous n'avez pas... Ouais, bah en même temps, ils ont qu'à pas être là. Sans plein. Ah oui, merde. Je vous repasse ça, ok. Un plan, il m'en faut un et vite. Ok, ce sera ça le plan. Oh putain. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire. Vous avez intérêt à bien dormir après. Mais tu rates pas. Ah quoi, faut que je refasse tout depuis le début. Un plan, il m'en faut un et vite. Okay, ce sera ça le plan. Voilà, ça on va y arriver. On va y arriver, tranquille. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire. La pression. Allez, tu rates pas. Putain, faut appuyer vachement vite. Putain, faut appuyer vachement vite. Un plan. Ouais, il m'en faut un et vite. Okay, ce sera ça voilà, le plan. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Tranquillement. Tout doux, tout doux, tout doux. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire. Ah, là, on va... Allez, tu rates pas.
quoi? Je l'ai encore raté. Mais non, mais c'est pas possible, putain. Un plan. Il m'en faut un, et vite. Okay, ce sera ça, le plan. Putain. Ah, c'est dur. Tu peux le faire, tu peux le faire. Ouais. Tu auras pas. J'ai coupé un petit peu la scène, mais c'est normal. Il est super classe ce masque. Tu l'as acheté où? Où est ça, mais il est cool. Je pense qu'en fait j'ai un peu galéré pour ça. Oh là là. Hey Yori, j'ai attrapé les méchants. Mais Mais quoi? Il va falloir que vous apportiez une échelle. Allez Miles. Hey, le fanboy. Oh merde, tu es en retard. Tu viens pas? Non, je dois aller à la cérémonie de mon père à l'hôtel de ville. Ah ouais, c'est vrai, bah félicite ton père pour moi. Miles Morales. Ok, le feu aux poudres, à retenir. MJ, la cérémonie a déjà commencé? Il s'installe encore. Où t'es? J'ai eu un empêchement. J'arrive bientôt. Ouais, j'arrive là. Waouh. Bon, en tout cas, bah, cette vidéo, elle était super bien. Ouais, bon, voilà, comme je disais, j'ai fait une petite coupure au niveau de... pour retenir l'hélicoptère avant que ce scratch. Parce que j'ai galéré un peu. Donc, au lieu de répéter 36 fois la même scène et me voir que j'arrive pas, voilà. Et j'ai repris là où j'ai réussi. Peter, sans vouloir nous porter la poisse, non seulement ma piste pourrait bien relancer notre projet, mais aussi lui donner une ampleur qu'on n'avait pas encore imaginée. Rien n'arrive par hasard. Même Norman qui nous coupe les vivres. J'espère vraiment que ça va marcher. Le travail de Doc est trop important pour passer à la trappe. Waouh, c'est bon, c'est... Alerte à toutes les unités. Vol d'un véhicule blindé signalé. Ouais, bah là je peux pas. Non, là je peux pas, désolé. Je dois aller à la remise des prix, les gars. Faudra que je fasse les antennes aussi. Un jour, je jouerai hors vidéo et je ferai les antennes relais, tout ça. Voilà, c'est bon. Je suis arrivé. Voilà l'entrée de la scène. Et on sera juste devant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Tout se passera bien, chérie. La dernière fois que j'ai fait un discours, c'était au lycée. Madame Steinberg m'avait mis un « c'est moi ». Eh bien, Madame Steinberg serait fière de toi aujourd'hui. Eh, ça va le faire, papa. Sérieusement, t'as sauvé Spider-Man. Je suis sûr que ça fait de toi un vrai super-héros. Un super-héros? Ouais, ou disons plutôt que je suis un dur à cuire. Viens, chérie. Bienvenue à tous. Avant de donner la parole à Monsieur le maire, j'aimerais vous dire quelques mots. C'est une chance pour notre... Alors ? Je crois que cette guerre des gangs est enfin terminée. Et maintenant, genre, terminée pour de bon ? Je crois. Je veux dire, à part quelques détails qui restent à régler. Des détails? Eh bien, j'ai vu un camion de la société Consolidated Shipping quitter les lieux. Et il y a quelque chose de pas net.
mais je sais pas quoi. On pourrait aller prendre un café après ça et résoudre cette énigme. Ouais. Prendre un café. Hein. Eh bien, merci beaucoup. Je n'aurais pas dit mieux moi-même, mais je vais essayer. Nous savons tous que l'agent Davis est un héros. On pourrait peut-être dîner ensemble au lieu de prendre un café. Je pourrais venir chez toi, je cuisine. Ou alors, on pourrait se retrouver dans un lieu parfaitement neutre pour un repas tout à fait normal, cuisiné par des professionnels. Ainsi, pour ces actes d'une bravoure extraordinaire, dépassant de loin l'appel du devoir, j'ai l'immense privilège de remettre à l'agent Jefferson Davis la médaille d'honneur du département. Téléphone, monsieur. Je suis un peu occupé pour l'instant, Jim. Ça semble urgent. Bien. Toutes mes félicitations. Merci, monsieur le maire. Je dédie cette récompense à ma famille, à ma femme, Rio, et à mon fils, Miles. Sans leur soutien, je ne serais pas là aujourd'hui. Allô? Ça fait des années que j'attends ce moment. Qui est à l'appareil? Dans les jours à venir, votre société, votre ville et tout ce à quoi vous tenez vont disparaître. Les gens vous supplieront de les aider, mais vous ne pourrez rien faire pour les sauver. Écoutez, sombre crétin, des menaces comme celle-là, j'en reçois à l'appel. Et si vous veniez me dire en face ce que vous voulez? Vous regardez souffrir. Wow! Miles! Miles! Tu vas bien? Miles! Miles! D'accord, ok. J'incarne lui. C'est un truc de fou. Par là-bas. Par ici, tac. De là, franchement, je kiffe. À moi qui voulais un peu d'action, bah là, je suis servi, ça va.
Au début de la vidéo, pendant 5 minutes, il n'y a pas eu d'action. Oh là là, les pauvres. Maman ? Maman ! Ah, c'est bon. Merde ! Plus vite ! Chie. Ça glisse ! Je l'ai. Maman. Miles. Est-ce que ça va? Ça va, petit. Tu vas bien? Oui. Et toi, est-ce que ça va? Je vais bien. Ça va. T'es sûr que ça va? Oui, ça va aller. C'est fini. Je m'en sortirai. Mon ange. Bon, écoute. Je dois retrouver papa, d'accord? Non. Miles, papa. Non. Miles, non. Papa est ici. Je vais le trouver. Miles. Je peux pas m'avancer là aussi. Ça va, me dire où il faut aller. Papa est en vie, je le sais. Putain. Il était juste là. Mais qu'est-ce que... Putain. Mais que fait Spider-Man? Reste dans l'ombre. Je peux longer le bord pour les contourner. Par là. Wow. Non. Non. T'as tué vraiment tout le monde. J'ai peur, lui. T'es bien, ma Woody. Je viens. On s'arrive au champ. Kankan, Jangta, Nali, Yomio, Warren. Mais donc, Jing, tiens, attends. Wow, pas trop bien, moyen de les contourner. Je dois pouvoir escalader. Ok. Ça sera. Moi, je suis quand même pris dans ton musée. C'est bon. On va y arriver. Là, c'est la dernière mission. Après, il faudra que j'y aille. Ouais, 11h58. T'as fait chier parce que. Je vais passer en dessous. Papa était juste là. Je dois l'aider. Détonneur. Je suis là, papa. Nous devons partir, tout de suite. Papa. Papa.
Papa! Papa, non! Réveille-toi, papa! Réveille-toi, allez! Réveille-toi! Oh putain, qu'est-ce que c'est triste. Toutes mes condoléances. Est-ce qu'on se connaît ? Je suis Peter Parker. J'étais à l'hôtel de ville quand... Écoute, je sais qu'on ne se connaît pas, mais... Je voulais seulement te dire... Je comprends ta douleur. C'est bien ce que t'allais dire, pas vrai? Ou... La douleur s'estompe avec le temps. Ou ne t'en fais pas. C'est Dieu qui a un plan pour tous. Je suis désolé, j'ai essayé seulement de... Seulement de m'aider. Je sais. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment je vais faire avec lui. Bon, je suis désolé, Jeff. Oui, bah, c'est pas ta faute. Je suis occupée. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez lancé les recherches sur Martin Lee? Non. Je vous ai dit que je pouvais pas engager une chasse à l'homme sur la base d'une intuition de Spider-Man. Apportez-moi des preuves tangibles et on en reparlera. Des preuves tangibles? Super. Salut, c'est moi. Salut. Alors, comment tu te sens? Comme quelqu'un qui a merdé et à cause de qui un gamin a perdu son père. Je te connais trop bien pour essayer de te convaincre du contraire. Et la police? Ils ont des pistes sur Lee? Non, ils le cherchent même pas. Même Yuri me croit pas. Alors c'est à nous de le retrouver. J'ai fait quelques recherches. Rends-toi à cette adresse. Martin Lee a acquis une participation majoritaire dans ce centre de tri l'année dernière. Tu penses que c'est là-bas qu'il se cache? Possible. On sait qu'il est pas offiste. S'il n'est pas non plus au centre de tri, il y aura peut-être des indices qui permettront de le retrouver. Ouais. Beau travail, MJ. Je t'appelle si je trouve quelque chose. Oh, une dernière chose. Un inspecteur m'a parlé des démons qui se font interroger. Ils prétendent tous que Martin Lee a la capacité, je cite, de corrompre la population. Corrompre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent que c'est un genre de contrôle mental qui fait ressortir ton côté négatif. Tu fais des choses que tu ferais pas d'habitude. Ouais, un peu tiré par les cheveux pour moi. De la part d'un type qui court sur les murs, c'est le comble. Ouais, carrément, je suis d'accord avec elle. Hein. Bon, c'est un comble, hein. Bon, en tout cas, nous, c'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous aura plu. Moi, ça a été nickel. J'avance. J'ai quasiment adoré. À l'aveuglette. Il faut que j'active d'autres tours. Oui, mais ferme ta gueule, d'accord? Je suis en train de parler. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, comme je viens de le dire. N'oubliez pas de laisser le petit like et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Chers auditeurs. Salut, salut, bye bye. Me défendre face à des affirmations fallacieuses de McDonald McGargan, alias le Scorpion. Oui, comme je l'ai déjà révélé,
J'ai financé l'expérience qui lui a donné sa force, sa vitesse et son horrible...